L'aventure a commencé déjà en 2004 avec ma sœur. Nous sommes installés pour reprendre l'entreprise de mes parents. Mes parents se sont installés en 1984, donc ça fait un petit peu plus de 30 ans. Donc il y a une forte expérience dans les plantes grimpantes et puis dans les clématites. Nous avons un savoir-faire qui est ancré dans nos mains. La plante est une plante qui est très jolie à cultiver, d'être dedans c'est très agréable. Si je suis venu dans ce rang de clématites là, c'est parce que Star des Indes est vraiment une variété que j'apprécie énormément. Une clématite qui est réussie, c'est une clématite qui fleurit énormément. D'avoir la plante qui fleurit le plus possible et le plus longtemps possible, c'est le gage de notre qualité. Alors les pépinières Javois, c'est 485 espèces cultivées, c'est 3,5 hectares de plantes grimpantes et c'est surtout 25 emplois sur l'entreprise quasiment en continu. Nos clients sont la grande distribution, notamment les jardineries et puis un petit peu de paysage. Et nous sommes en train d'acquérir de nouveaux marchés grâce à cette plante sur des marchés étrangers. Depuis toujours, nous avons été précurseurs dans le respect de l'environnement. Nos plantes sont cultivées sur un site qui permet la récupération des eaux de culture. Donc, nous ne rejetons rien du tout dans le milieu naturel. Saint-Cyr-en-Val, c'est historiquement un site horticole où il y avait une très forte activité. Nous avons des produits qui sont périssables, des plantes qui doivent arriver dans les meilleures conditions chez nos clients. L'environnement orléanais le permet. Le métier change parce que nos clients changent et puis tout est cyclique. Le savoir-faire ne changera pas, il y a toujours ce geste qui nécessite énormément de dextérité et puis d'expérience. Je suis né dedans et puis c'était la passion du végétal. Aujourd'hui, pour rien au monde, je changerai de métier. Benoît Javois, co-gérant des pépinières Javois Saint-Cyr-en-Val, spécialisé dans la culture de plantes grimpantes.